السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في تتمه ديال لي اكسبرسيون اريثميتيك. الوغ شفنا في لا فيديو بريسيدونت لي زونتيي. الوغ غنشوفو في هاد لا فيديو لي غيال. الوغ عندنا واحد الحاجه لي غيال سيكسبريم سو 3 تيب ديفيرون، دونك هما فلوت et aussi double et aussi longue double. Alors عندنا واحد la plage couverte, donc la plage couverte كنعبر بها la limite inférieure, la limite supérieure. Alors بالنسبه للفلوت عندنا la limite inférieure كتبدا من -3,4 à la puissance 10 fois 10 à la puissance moins 38, où la limite supérieure est à 3,4 fois 10 à la puissance 38. Donc la taille d'elle float, bien évidemment en octets, c'est 4 octets. Alors, principal double, la limite inférieure c'est moins 1,7 fois 10 à la puissance moins 308. Et pour la limite supérieure, c'est 1,7 fois 10 à la puissance 308. Alors pour la taille ديال double هي 8 octets. Alors بالنسبة للانgue double, la limite inférieure c'est moins 3,4 fois 10 à la puissance. هنا غتكون la puissance شوية كبيرة, c'est 4932. Pour la limite supérieure c'est 3,4 fois 10, donc on a دائما كتكون la limite هنا l'exposant كيكون négatif وهنا كيكون positif. Alors بالنسبه لا limite supérieure هنا غادي تكون 4932. Donc la taille en octets, bien évidemment, c'est 10. Donc 10 octets. 10 octets. Alors, hado huma les réels. Alors, adna واحد manipulation, bien évidemment, غتكون سريعة على les réels. Donc غادي نصاوبو واحد le programme, bien évidemment, très vite. Alors, initialisation ديال la bibliothèque, Eostream, using namespace, cd, هادشي كامل درناه في لي فيديو بريسيدونت. الوغ اول حاجه غادي نبدا في لا فونكسيون برينسيبال. دونك جو في انيسياليزي واحد لا بوكل. هاد لا بوكل هادي غادي تكون فيها دي فاريابل. الوغ فور انت اي جو في انيسياليزي اي بار 8. ابخي غادي نشوفو هاد لو بروغرام شنو كيدير. الوغ i inférieur ou égal 6, 5, 3, 5, 6, i reçoit i plus. Là, quand je vois la manipulation des réels, donc 2, 5, 6. Alors, juste un exemple illustratif pour montrer comment fonctionnent les réels. Alors, je vais les calculs. Calcul. Donc, on va déclarer un float, on s'appelle FLT, on FLT STD. Alors, on va noter 1,0, donc divisé par i. Donc, on a division par i. On noter un double FLT, double, donc 1,0 divisé par i. C'est la même chose. Je vais déclarer aussi langue. Donc les types des réels, on déclare. Donc langue double FLT, langue هو 1.0 divisé par i. Alors, donc, on a l'affichage d'Ali, c'est out, on a affiché float. Float, c'est quoi? FLT, STD, handle, c'est retour à la ligne. C'est out, on a affiché là-bas, double, on a dit qu'on a H, on a FLT, double, c'est comme ça. Donc retour à la ligne handle. Aussi je vais afficher cout long, donc tout ceci dans une boucle flt long retour à la ligne cout détiré. Je vous après chaque itération, je vous n'aurai comme valeur. Alors, donc, on a le programme comme suit. Donc, déclaration des les réels, float, double, long, double. Donc, on a l'affichage de chaque variable. Alors, donc, je vais essayer de compiler, exécuter le programme. Donc, on va voir les résultats après l'exécution. Alors, voilà l'exécution du programme. Donc, le programme il y a une boucle et il va se faire. Donc, je vais faire CTRL C. Donc, je vais essayer de stopper la boucle. نبدل هاد لا فالور للاحسن مانيبيولاسيون ديال هاد لا بوكل دي ايتيراسيون باغ اكزومبل 100 تبدا من 2. Alors voilà, donc on a résultat comme suit. Donc float, c'est le même résultat bien évidemment. Alors il y a dernière itération kbira, on a des nombres réels et yani flottantes, par exemple on a 0.00 ainsi de suite. Donc on a les conditions d'itération, donc on a le même résultat. Donc bien évidemment je fais une manipulation comme titre illustratif d'IL réel. Alors, on passe maintenant à l'expression de conversation ou bien de conversion explicite. Pardon, c'est pas de conversation. Les règles de conversion implicite. Alors, pour les règles de conversion implicite, on a l'expression mathématique. Donc, c'est quoi? On a les opérandes sont de type différents, yani les opérands d'Iona qui sont différents bien évidemment. Donc le C++ qui applique quelques règles de conversion dites implicite. C'est quoi implicite? Implicite c'est indirect. Alors علاش qui applique les conversions implicites? Donc le compilateur ou qui détermine les règles. Alors, par exemple, si un opérand, un des opérandes, c'est pas un des opérandes est de type, par exemple, de type long double, donc les autres seront aussi converti en long double, bien évidemment. Donc, aussi, si un des opérandes est de type double, donc les autres tient aux mains seront aussi de convertis, ainsi idem convertis en double. Pour les float, idem, donc c'est la même chose. Donc moi converti en float, alors si l'un des opérandes est de type unsigned, yani non signé, l'un non signé, bien évidemment, donc non signé long par exemple, les autres seront convertis de même type, donc idem. Alors lorsque l'un des opérandes est de type long int, donc les autres par exemple l'autre de type unsigned int, alors le int diana, le long int bien évidemment peut représenter toutes les valeurs de unsigned int, et unsigned int sera converti en long int. Donc هنا ما غتفهموش واحد هنا كاين واحد لي ريغل شويه غيكونوا ان بو كومبلكس. الوغ غنديمونطري كل حاجه بشويه. دونك عندي long int. الوغ هاد لو long int, donc la règle de conversion شنو غادي تولي؟ غتولي عندي في حاله lorsque un des opérandes ديال long int et واحد آخر de type unsigned int. Donc alors quoi, si long int le long int هذا يقدر يريبريزونتي كاع لي فالور ديال unsigned int, alors had unsigned int le dernier, donc sera converti en long int. Voilà, donc il a qu'un عندي had le long int est représenté l'IA unsigned int sera converti en long int. Alors donc c'est la même chose pour les unsigned, soit long, soit unsigned en général, soit double, soit float, ainsi de suite. Alors, allons voir maintenant les règles de conversion explicites. C'est quoi explicite? C'est directement. Alors, il existe des règles de conversion explicite. On l'appelle souvent opération de cast. Donc, là, l'orienté objet avec d'autres langages, par exemple Python ou bien Java, ainsi de suite. Donc l'opération cast, donc il y a l'opération de conversion explicite qui concerne daïman. Par exemple, hna fash kna kansta'mlou fi le C, kna kansta'mlou par exemple int étoile malloc size of, ainsi de suite. Donc هاد لو انت هادي راه كاست ديال هاد لوبيراسيون هادي. دونك هادي هي الكاست. دونك هذا هو لو كتسمى الكاستين او بيان لا كونفيرسيون اكسبليسيت. الوغ il consiste en une modification de type de données forcée par le programmeur. Alors on utilise pour cela un opérateur de cast. Donc عندنا واحد l'opérateur le C++ cast qui reprend tout simplement le type de la donnée, et là pour spécifier la conversion à réaliser bien évidemment. Donc par exemple on dit x reçoit par exemple le int 2.78. Donc, C++ gère aussi une notation fonctionnelle avec la syntaxe suivante. Donc, C++ régénérer lié à la syntaxe conventionnelle, à tous les x reçoit quoi? À tous les int 2.78. Donc, voilà la syntaxe la régénérera par le C++. Alors, on passe maintenant à les constantes. Donc, les constantes. Alors, pour les constantes, donc, on va faire une petite manipulation des constantes. Alors, je vais essayer de supprimer Hatchi. Alors, les constantes, donc, qu'est-ce qu'on a dit? La variable, donc, cette variable qui est constante, qui fait initialisation, l'initialisation qui est déjà définie. Alors, C++ capable de manipuler plusieurs types de constantes, par exemple les entiers, les réels, les caractères, les chaînes, les énumérations, ainsi de suite. Alors, n'est-ce pas, une constante est signée ou non? Donc, lorsqu'elle est composée d'un caractère unique, alors, هذا كيكون déjà précisé entre apostrophes. Donc, par exemple, des simples codes. Alors, je vais essayer de manipuler maintenant les constantes. Donc, on a la déclaration. Je vais déclarer les constantes. Par exemple, const. Donc, l'opérateur pour déclarer les constantes. Donc, const float e par exemple reçoit 2.78. Alors, const float aussi ou bien double par exemple le pi c'est quoi? C'est 3.141592256. Alors, const aussi char, donc par exemple bip, donc slash avec une seule cote, slash b, anti/slash b aussi. Donc const float par exemple e2, c'est le e fois 2. Alors, maintenant, affichage, c'est out. Alors, je vais afficher E égale à quoi? Égale à E. Handle, c'est retour à la ligne. Aussi, c'est out. Le pi, c'est quoi? C'est le pi. Handle, c'est out. Bip, voilà. Bip, handle, c'est out. 2 fois E, c'est quoi? C'est le E2. Handle, c'est pour retour à la ligne. Alors, c'est out. Je vais maintenant essayer de faire la conversion explicite, par exemple, pour E. Donc, c'est out. Int de E. Donc, c'est quoi? C'est int de E. And. Allez, tu fous le résultat, les radis, tu l'idée E. Alors, c'est retourne 0, donc je vais essayer de compiler, exécuter le programme. Donc voilà. Alors, pour E, c'est 2.718. Alors, pi c'est 3 0.14 ainsi de suite. Donc BIP c'est quoi? C'est slash B, donc c'est l'espace. Alors 2 fois E c'est 5.436. Et la conversion de E c'est 2. Donc peut-être la partie del float, donc la partie entière, peut-être la partie réelle, peut-être la partie entière, donc maintenant 2. Donc voilà, juste manipulation del les constantes avec la conversion explicite. Alors d'abord je fais les réels, les règles de conversion implicite, les règles de conversion explicite, les constantes. Prenez d'abord les opérateurs, et la priorité des opérations, et aussi des cas particuliers plus et moins et juste le récapitulatif de ce que nous avons fait. Alors, nous donc les opérateurs et la priorité des opérations. Alors le langage C++ a une véritable prédilection pour les calculs mathématiques. Donc les opérations, nous pouvons manipuler avec de nombreuses méthodes. Alors elles respectent la priorité ou la préséance, alors la priorité des opérateurs et aussi les règles d'associativité. Donc أي programmeur ou bien أي créateur ديال أي langage donc كيعتمد bien évidemment على المات. Donc كاع les principaux ديال l'arithmétique mathématique كاينين في langage de programmation. أي langage de programmation كيعتمد على l'arithmétique. Alors كاع les termes mathématiques كاينين في la programmation. Donc les règles d'associativité qui donc c'est plus cadre à aider la prédilection avec des nombreuses règles. Alors les opérateurs les adna plusieurs familles. Donc adna l'opérateur arithmétique, adna l'opérateur binaire ou bit à bit, aussi l'opérateur de décalage les carines l'assembleur radifemoni mzian. Aussi expression conditionnelle, aussi l'affectation, et aussi ou bien assignation. On a aussi les opérateurs logiques ou booléens. Alors hado huma les familles distinctes les opérateurs. On a d'autres qui s'appellent les opérateurs unaires. Toutes les choses que nous allons voir en détail. On a aussi les opérations d'insertion. Donc, c'est comme un langage de programmation basé de plus à les règles arithmétiques des maths. Aussi d'extraction. دابا الناس اللي كيكونوا قارين الماتيماتيك يعني قارين المات الحق وطريقه ما كيلقاوش صعوبه فاش يفهموا اللونغاج دو بروغراماسيون, ما كيلقاوش اي صعوبه بور براتيكي بارفيتمون اي لونغاج. اي aussi عندنا لي زوبيراتور ريلاسيونيل. دونك on va voir واحد مانيبيولاسيون على هادشي اللي قلنا. Donc, je vais essayer de supprimer ici. Donc, à déclarer et je vais initialiser des variables. Donc, int a 10. Bien évidemment. Donc, alors, b خليهم في لين وحده باش ما نبقاش نكتب كل مره انت انت. دونك بي نعطيها 7 اي سي نعطيها 100 aussi et div c'est pour la division نعطيها par exemple signé واحد la valeur signée donc 69 et petit div c'est 10 et x reçoit ou bien 1. Alors donc je vais maintenant essayer de faire quelques opérations arithmétiques. Donc غادي ندير maintenant par exemple le 100 plus 7 شحال تعطيني le 100 plus 7 حنا غادي نشوفوا شحال تعطينا. Alors c'est out ندير le a plus b. Donc, c'est quoi? C'est A plus B, bien évidemment. C'est out. On dit maintenant d'abord. Même que l'opération, on va la valeur de la. Je ne l'opération. Alors, A moins B. On dit A moins B. Donc, on a l'addition, on a soustraction. On dit c'est out. Alors, on dit moins B, tu vois, je n'aurai pas gagné. On dit moins B, ici on a la multiplication, je ne sais pas les A et les B, donc A fois B. Donc, voilà comme ça. Voilà. Kmlo, handle. Retour à la ligne. Alors. Le div. Par petit div. Tu vois, je n'aurai jamais. Donc, div. Grand div. Divisé par petit div. Handle. Retour à la ligne. C'est out. Alors, le modulo, donc c'est quoi le modulo? C'est le reste de la division. Donc, de div. Et opération arithmétique. Alors, le modulo, c'est quoi? C'est le div, pourcentage, petit div. Indice retour à la ligne. Alors, je vais essayer maintenant décrémenter et incrémenter, donc c'est le pré ou poste. Donc pour la pré-incrémenter, donc le plus avant. Donc c'est out, donc plus a par exemple. Donc chaque année, باش أي واحد يفهم كيفاش هاد les opérations qui خدموا ou فاش يكونوا des programmes plus robustes, نعرفوا كيفاش نستعملوهم. Alors, donc plus, je ne vois pas. Alors, aussi, je vais essayer maintenant de faire A. Donc, placer dans un flux de sortie. Par exemple, A. Donc, juste des opérations très simples, très élémentaires. Alors, donc maintenant, le poste incrémenté, donc on a le pré incrémenté, donc maintenant on va faire le poste incrémenté pour B, donc B++. عقلوا على هاد les termes, donc هذه هي pré incrémenté وهذه هي poste incrémenté. Alors, juste pour faire placer le flux de sortie, donc B reçoit, handle, alors c'est out. Donc maintenant, les opérateurs conditionnels. Alors, donc, maintenant, A inférieur à B, par exemple. Donc, c'est quoi? غادي نشوفها واش انفيريور ا بي ولا. دونك الا كانت انفيريور ا بي دونك غادي ندير واحد بوان ديكسكلاماسيون دونك 1 2.0 دونك سوا غيعطيني 1 سوا يعطيني 0 اندل. هذه بحال قلتي اف ايلس اف ايلس الا كانت ا صغر من بي اعطيني الا ما كانش اعطيني فوالا سي اف ايلس. الوغ نكملو سي اوت. maintenant غنديرو ليغاليتي ا ايغال ايغال بي دونك هادو كلهم دي زوبيراسيون اريتميتيك. دونك بيان ايفيدامون اي واحد قاري الجبر وقاري الاريتميتيك غادي يفهم هادشي بكل سهوله. الوغ غنكملو دونك غادي نستعملو ا ايغال بي لا ميم شوز un ou 0 handle. Alors d'abord nous trouvons la différence wesh b différent de احسن نخلي واحد l'espace هنا. alors نكملو différent de B, donc soit 1 soit 0, donc c'est une fonction booléenne alors maintenant on va voir A, donc c'est quoi, donc par exemple c'est par exemple A inférieur à B et B inférieur à C, alors vrai sinon faux. Donc c'est out. C'est out A est inférieur à B et aussi le B inférieur à C. Alors c'est quoi, on va voir, on va faire quoi. Donc c'est quoi, c'est la même chose, c'est A inférieur à B et B inférieur à C. Donc, vrai ou faux. On va afficher soit vrai, soit faux. Soit vrai. 2 points. Non. Donc c'est comme ça, voilà. Donc ou bien faux handle retour à la ligne. Donc je pense à dire est-ce qu'on fait vérifier je vois qu'il y a une erreur ou le non. Alors edna c'est la collade. Alors, c'est la collade. Donc, voilà. Donc, soit vrai, soit faux. Soit vrai, soit faux. Voilà. C'est comme ça. Alors, je vais essayer de faire maintenant une opération plus simple. Donc, x reçoit ou bien moins égal, c'est quoi moins égal, c'est x égal à x moins la valeur les radinateurs. Donc c'est quoi, par exemple soit a sera b donc et b supérieur ou égal à 100. Alors moins a 2.c divisé par moins b. Alors après je vais afficher le x. Et voilà. L'exécution et la compilation. Voilà qu'il y a une erreur. Donc je vais essayer de corriger l'erreur. Donc, alors, نعاود نكتب من الأول ونشوف واش غادي يعطيني erreur ou non. Donc, par exemple, c'est out. نفتح deux accolades. Alors, واحد غادي نحط فيه A inférieur à B et B inférieur à C. Alors, غادي نحط واحد point d'exclamation. Donc, soit vrai. 2 points, faux. Alors, maintenant, and. Je vais essayer de compiler. Toujours une erreur. Alors, il y a l'erreur. Donc, il y a soit vrai, soit faux. 2 points. 2 points. خلوها en commentaire. Après, نشوف نvérifier ou نشوفوا فين كاين هو l'erreur. Donc هاد l'opération ما قدش عليها واش صحيحه ولا لا. المهم je vais essayer de compiler, exécuter ونشوفوا واش le programme ça va être exécuté ou non. Alors voilà les résultats, donc 107, A plus B 107, A moins B 93, 700, moins B moins 7, la division moins 6, le modulo c'est moins 9, plus C, donc A c'est 100, donc le plus A c'est 1, 100 plus 1, donc toujours une incrémentation par 1, et A c'est, donc A, tout y a 100A, 101. Donc, le poste incrémenté, c'est B++. Donc, quand il y a B, c'est quoi B? Donc, il y a 7. Donc, près de 7. Donc, c'est un poste incrémenté, mais que Z. Donc, plus, il y a que Z. Il y a le pré-incrémenté. Alors, B, ou là, il y a. Donc, le A inférieur à B, c'est 0. Donc, on a 0. Donc, juste des opérations, des opérateurs conditionnels. Alors, le X, on a 13. Voilà, donc, on a de la manipulation des opérateurs arithmétiques, où on a aussi les règles, ou bien la priorité des opérations. Alors, maintenant, on va dire le petit résumé. Là, on a. Alors, je fais le poste incrémenté, je fais aussi le pré-incrémenté, je fais les entiers, je fais les réels, ainsi de suite. Donc, maintenant, il existe 4 types de données de base. Donc, on a int, il y a aussi char, il y a aussi float, et aussi double. Aussi, maintenant, les entiers en trois types différents. On a short int et aussi le int long et aussi le int. Alors, pour les réels, aussi 3 types différents. C'est float et double et long. Alors, lorsque dans une expression mathématique, les opérandes sont différents, donc C++ applique des règles de conversion implicite. Je mets les règles de conversion implicite. Il existe des règles de conversion explicite aux opérations de casse, donc le casting ou bien la conversion, qui permettent aux développeurs de forcer le type d'une donnée, et aussi Dans un programme, on peut définir des valeurs fixes sous forme de constantes via le spécificateur const. Donc, pour déclarer des constantes, le spécificateur const. Alors, aussi, on peut écrire des calculs ou bien des opérations mathématiques, donc calcul mathématique. Le langage C++ respecte une priorité des opérateurs. Alors aussi, C++ possède une dizaine de familles d'opérateurs les chefna, les homa arithmétiques, binaires, décalage, expression conditionnelle, affectation, logique, booléenne, unaire, insertion, extraction, relationnelle, ainsi de suite. Alors, la post aussi et la pré-incrémentation traitent les opérandes différemment, bien évidemment. Alors, la première partie, c'est l'expression arithmétique en C++. Le deuxième chapitre, c'est les chaînes et les types énumération. Et t'laqaou, Inch'Allah, une autre vidéo. Alors, salam alaikum, à bientôt.